Quand un joueur en déplacement attrape le ballon ou termine un dribble en ayant un pied au sol, le pied au sol au moment de l'attraper compte comme le pas 0. Le prochain pied touchant le sol comptera comme le pas 1 et deviendra le pied de pivot. Ici encore, on retrouve le pas 0, le pas 1 et le pas 2. L'attaquant fait 3 appuis, mais il n'est pas en violation. Dans ce dernier exemple, l'attaquant en possession du ballon effectue un pas 0, un pas 1 et un pas 2 également. Il n'est pas non plus en violation.